Disposez-nous pour nous prendre un couplet dans la dessalinienne, s'il vous plaît. Garçon qui a un chapeau, faut retirer pour nous. Garçon qui a un chapeau, retirez pour nous, s'il vous plaît. Pour Haïti, paysan, c'est pour marcher, mais non la mer. Non, l'étonne, pas fait pour guérir. Nous faisons une seule merde, nous allons marcher. Maintenant, la mer pour Haïti, la vie plus belle. En nous, mettez ensemble. Pour Haïti, on a tous ensemble. Comme nous remarquons, après un pile discussion, après un pile dialogue, après un pile parler, nous arrivons Chita ensemble. Nous arrivons, nous partis politiques, toute partie politique de l'opposition, toute société civile qui est dans la lutte là, nous arrivons à coucher un accord. N'a pas suivre la population, n'a pas suivre la presse là, que nous retirer chapeau bien bas pour nous saluer, parce que sans eux-mêmes, le message nous n'a pas passé. Avec conseil, avec conseil tout secteur, nous réussissons à sortir avec un accord que nous relais accord politique de l'opposition sur la gouvernance de la transition de rupture. L'ensemble de ça, m'a demandé Lionel pour le faire mise en contexte rapport pour nous et en même temps pour l'expliquer rapport jusqu'à pour l'expliquer rapport pour arriver la structure de gouvernement de gouvernance pour nous. Donc Lionel sans tarder, nous passons la parole. Merci en pile, merci. Tout camarade de la presse qui là et merci population qui a suivi nous. À cause ça, nous prenons pile le temps pour nous river la donne parce que il y a un pile lecture différente où nous sommes capables de gagner sous pays. Il y a un pile organisation politique, il y a un pile monde dans la société civile là qui n'a pas forcément la même vision. Sous qui ça pour nous faire. Mais bon bagay, majorité pays a d'accord sous lui, c'est que pouvoir ça qui prend des rives autoritaires, nous ne pouvons pas continuer la donne. Pouvoir ça, mandat Jovenel Moïse, ça, tout le monde d'accord sous lui, fini 7 février 2021. Donc, le processus a été long. Le processus a été long, il y a des groupes qui travaillent sous bois paio, il y a un comité suivi déclaration 21 août là, qui a recueilli proposition, il y a l'autre groupe qui a recueilli proposition. Finalement, tout ça a eu une fond dans un travail collectif qui était difficile. Qui était difficile. Et même pas même tous les haïtiens n'ont pas les têtes mal. Avant, ils nous disent dans le pays, ça ne va pas, nous d'accord. Ce n'est pas vrai. Il y a un peu d'expérience côté nous d'accord. Et d'accord, toujours difficile dans tout pays. Et pas aucun pays sous la terre côté l'unanimité existait. Mais majorité existait. Donc ça qui dégageait après toute rencontre ça, toute discussion ça, c'est un principe majoritaire et accord à lui-même, il tenu compte de tout apport et puis il fixait ça qui semblait majoritaire. On va parler long parce que nous tout passé à quoi. Nous avons besoin de dernier point, m'a dit. Configuration table là. Village. Mais pas aucun table qui a bon configuration assez large pour représenter toute force, tout groupe, toute association, tout regroupement politique, tout parti politique qui participait dans l'accord. Donc, il y a un pile structure nous parlons là. Qui n'a pas quoi. Ça, c'est important pour signaler
c'est accord tout participant là-dedans au même titre. Il n'y a pas accord tel groupe qui t'a signé plus que accord tel autre groupe qui t'a signé. C'est accord tout groupe, tout regroupement, toute partie qui signe. Je ne vais pas parler plus que ça. Très rapidement, je pense que c'est intéressant que je lis à quoi que je ne vais pas essayer de résumer pour l'un à transmettre, nous transmettre exactement ça qui n'est à quoi sans interprétation. Évidemment, comme je considère, même quand tout le pays a d'accord sur la raison qui est capable de motiver un accord comme ça et décision que tout le monde qui s'y a au plan. Donc, qui j'en acté que le mandat Jovenel Moïse a fini, hein? À quoi a parti comme ça? Il crée un organe qui est le CNT. Il a créé une commission nommée Commission nationale pour la mise en place de la transition CNT, composée de 15 membres. 7 membres qui ont sorti dans la société civile, dont un membre, comité suivi, déclaration 21 août là. 8 membres qui ont sorti dans le parti, gouvernement et regroupement politique. Secteur. Nous identifions là. Nous demandons aux désignés membres qui sont supposés aller dans la commission ça le plus vite que possible. Qui mission CNT ça? Mission, c'est choisir un président ou bien un président de transition, un premier ministre, membre du gouvernement et membre ou organe que l'accord a créé, qui est les organes de suivi et de contrôle de l'action gouvernementale. Je ne vais pas entrer dans plus de détails sur ça. N'a pas elle dans nous le nous lit à quoi. Soit ça m'a dit, il y a un pile précaution qui prend pour personne, dans quelque soit instance, que c'est dans la commission de transition, que c'est dans le gouvernement, que c'est dans l'organe de contrôle là, comprendre ses intérêts, pas libre de défendre, ou bien intérêt un petit groupe qui t'a voué. Il est très clair qu'il y a bien des mesures de contrôle pour assurer que tout le monde se paye à une servie et pas tête. Président, avant 7 février 2021, Commission nationale Zamsout Paléa a pour choisir comme président de la République là, un juge de la Cour de cassation régulièrement nommé, réputé honnête, jugé apte à respecter la feuille de route et contre lequel aucune accusation d'action contraire à l'état de droit n'a été portée. Ils poursuivent. La commission se propose d'analyser les dossiers des juges régulièrement nommés selon les critères cités plus haut. Si la commission ne parvient pas à désigner le président ou la présidente selon la procédure fixée, elle choisira au sein de l'un des pouvoirs que la commission aura jugé régulièrement établi ou toute autre solution institutionnelle concertée. Cette procédure sera adoptée et appliquée par la commission par consensus ou par vote de la majorité des deux tiers. Il y a un pile de précautions qui prend, et puis ma campé là, ma baille. Ou l'autre ami, ou l'autre camarade continuer. Il y a un pile précaution qui prend. C'est pour assurer, justement. Et ça, c'est position tout le groupe. Il faut nous extrêmement prudents pour nous pas en nique l'agon pays, n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'il y a un pile précaution qui prend pour le bon choix qu'il fait. C'est après un pile réflexion en disant choix ça, nous pensons tout bon, c'est le plus bon pour le pays. Pas tomber là. Ah ben, alors, comment a-t-il continué ?
Si Léonel déjà présenté mission et procédure commission qu'a gagné pour travailler sur désignation président transition avec premier ministre et même gouvernement et m'a surtout metté un accent sur fin mission CNTA qui c'est Conseil national de transition mission apprend fin dès que li fin désigné président transition li fin désigné premier ministre là li fin désigné membre gouvernement yo et bien entendu de concert avec les signataires de l'accord et puis li fin désigné membre organe de contrôle de suivi et de contrôle transition qui est appelé OCT et puis m'a rentré directement dans OCTA nous dit c'est Conseil national de transition CNTA qui a gagné pour désigner membre OCTO organe de contrôle et de suivi transition mais organe de contrôle ça et l'IAP formé l'a composé de 23 membres. 23 membres ça yo désignation a fait à raison de deux par département géographique. Et société civile organisée avec parti politique, groupement et regroupement de partis yo yo a impliqué dans désignation 23 membres et organes de contrôle transition mais a gagné aussi une représentation de diaspora 3 moun pour diaspora et étant donné que nous connaissons diaspora li très large donc gagné une considération géopolitique qui fait donc nous divisé et accord la divisé diaspora en Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord et l'Europe et le reste du monde. C'est-à-dire, yon représentant pour Amérique latine et Caraïbes, yon représentant pour Amérique du Nord et yon représentant pour Europe là et reste monde là. Diaspora dans reste monde là. Organe ça, l'a gagné pour mission. Nous parlons de organes de contrôle transition, OCTA, pour lui capable veiller au respect des lois et l'éthique dans la gestion de la chose publique pendant transition. Et puis, l'a gagné pour lui assurer lui que revendication populaire yo et politique yo et gouvernement transition hein? Donc lui-même lui prend en compte revendication populaire yo que nous connaissons déjà nous pas besoin énumérer trop donc organe ça c'est pas un organe qui a gagné prérogative parlement à savoir que lui praler recevoir salaire et puis tout avantage et tant que député et sénateur t'es capable de recevoir lui mais étant donné que l'a gagné pour lui réunir en session de 8 jours ouvrables par mois donc gouvernement de transition a gagné pour lui assurer que gagné de frais qui mettait à disposition de membres organes de contrôle là donc pour assurer séjour yo et hébergement yo entretien yo dans capital là pendant moment session yo et puis CNTA li même nous connaît c'est li k'ap choisi membre OCTO donc li a gagné pour capable sélectionner yo et à travers des organisations de la société civile des partis groupements et regroupement de partis politiques et des organisations professionnelles, des associations et des personnalités d'influence
capable de gagner pour participer dans l'organe de contrôle transition. Donc, même nous dit déjà que c'est au nombre de 23. Donc, et puis, les 10 départements géographiques à représenter et diaspora à représenter. Pas gagné aucun membre organe de contrôle là, OCTA, qui a capable de porter le candidat aux prochaines élections. C'est-à-dire les élections a bien pour organiser dans fin transition. Donc, président transition a gagné pour lui prendre un arrêté pour capable de nommer 23 membres organe de contrôle là qui a bien publier dans le journal officiel Le Moniteur. De même que CNTA, Commission nationale de transition, mandat a fini dès que li fini choisi tout et moun li gagné pour choisir pour al travailler dans le pouvoir transition. Organe de contrôle là lui-même, mission a fini, l'a dissout à l'installation de la 51e législature à l'issue des prochaines élections. Merci beaucoup. La feuille de route. Le gouvernement de transition aura pour mission principale de travailler à 1. Restaurer l'autorité de l'État. 2. Créer un climat sécuritaire. 3. En vue de ramener la paix et la confiance de la population en menant des actions efficaces contre les gangs armés et les trafiquants de tout genre. 3. Convoquer une conférence nationale souveraine en vue d'organiser le dialogue national en vue d'aboutir à un pacte de gouvernabilité autour d'un projet national commun de rupture pour la transformation de notre pays. Il est entendu que cette démarche est l'affaire exclusive des Haïtiennes et des Haïtiens. 4. Créer les conditions pour la réalisation d'un procès pétro-caribé équitable dans un délai raisonnable, de telle sorte que soient rendus des jugements justes, équitables, et que les sommes détournées soient récupérées. 5. Initier une véritable réforme de la justice en vue de garantir son indépendance et de la soustraire au contrôle du pouvoir exécutif. 6. Enquêter sur tous autres crimes et délits du même genre et transférer ces dossiers à la justice pour les suites nécessaires. 7. Combattre la corruption, la contrebande et l'impunité sous toutes leurs formes. 8. Rapporter les décrets pris par le président sortant en violation des prescrits de la Constitution. 9. Œuvrer au renforcement de notre système judiciaire en vue de garantir le respect des droits de la personne et celui de la propriété privée et une sécurité juridique à tous les investisseurs, tout en veillant au respect du droit des travailleurs. 10. Ouvrir des enquêtes sérieuses sur les massacres récents, La Saline, Bel Air, Cité Soleil, entre autres, les exécutions extrajudiciaires, les crimes restés impunis et soumettre les rapports à la justice pour les suites utiles. 11. Prendre les dispositions pour utiliser à bon escient
l'offre d'assistance technique des barreaux de divers pays qui veulent accompagner la justice haïtienne dans l'enquête sur l'assassinat de Dr Dorval. 12. Créer les conditions pour la tenue d'élections libres, honnêtes et démocratiques dans un délai raisonnable, en mettant en place un système électoral limitant au maximum les possibilités de fraude et en incitant les citoyennes et les citoyens à participer en grand nombre dans le choix des dirigeants au niveau national et au niveau local. 13. Apporter des réponses appropriées aux justes revendications de la population. 14. Lutter contre la pauvreté extrême et la cherté de la vie. 15. Engager une politique d'urgence de création d'emplois temporaires en vue d'améliorer le pouvoir d'achat de la population et particulièrement des plus démunis. 16. Rendre les soins de santé de base accessibles au plus grand nombre. 17. Initier un système de sécurité sociale. 18. Relancer la production agricole avec pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à moyen terme en consacrant des investissements publics substantiels aux zones rurales. 19. Prendre des mesures pour lutter contre l'insalubrité des villes et les campagnes et contre la déforestation et la dégradation de l'environnement en général. 20. Assurer le respect des normes environnementales et lancer des programmes de rebrasement et de réhabilitation de l'environnement. 21. Poursuivre et finaliser après évaluation les projets d'infrastructures agricoles, routières et énergétiques engagés par les gouvernements précédents. 22. Engager de manière effective une politique d'utilisation des énergies renouvelables. 23. Initier une politique rationnelle de décentralisation effective. 24. Favoriser l'accès au crédit pour les jeunes entrepreneurs et les agriculteurs avec un souci particulier pour le respect de l'équité de genre. 25. Accorder une attention spéciale aux différents niveaux du secteur de l'éducation et œuvrer à l'amélioration des conditions d'existence des enseignants et des cadres administratifs, tant du secteur public que du secteur privé. 26. Initier la réforme du système éducatif pour assurer une éducation de qualité à tous les niveaux. 27. Négocier avec le secteur privé l'augmentation et le maintien du pouvoir d'achat des travailleurs. 28. Initier des réformes structurelles en vue de rétablir un climat susceptible d'attirer des investissements massifs et de créer des emplois durables et bien rémunérés. 29. Assainir les finances publiques et en finir avec le gaspillage des deniers publics et les privilèges indus. 30. Réaliser l'audit externe de l'ensemble des organismes autonomes de l'État. 31. Instaurer une gestion budgétaire rigoureuse en vue de maîtriser les déficits publics et préserver la valeur et la stabilité de la monnaie nationale. 32.
restaurer la confiance des bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux et des investisseurs privés. 33. Initier des réflexions sur la modernisation du transport terrestre et maritime et renforcer la sécurité routière. 34. Accorder une attention particulière au secteur culturel dans toutes ses composantes. 35. Définir et initier une politique réaliste en matière de population. 36. Œuvrer efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies. 37. Assurer toutes les missions régaliennes de l'État et tout mettre en œuvre pour son fonctionnement normal. Fête à Port-au-Prince le 30 janvier 2021. Merci. Sénateur Ricard, moi je veux souligner pour nous, ce n'est pas une tâche facile. C'est en pile volonté, en pile détermination qui arrive à signature à consa que les amis ont se présenté là jeudi. Nous voulons dire à l'intention de tout journaliste qui là que version créole a vint joindre dans salle nouvelle très bientôt. Version créole, nous allons essayer de divulguer un peu plus pour le peuple dans sa grande majorité ou dans sa totalité. Comprendre et connaître ce que l'accord ça a gagné la donne. Accord qui pour gérer la transition vers ce créole la ville joindre. Permettez-moi de gagner une pensée spéciale pour un monde très spécial qui, dans un moment spécial, ça tape avec nous. Il tape avec nous parce que il travaille en pile pour nous arriver là. Il consacre en pile partie dans la ville. Pour le pays d'Haïti capable de joindre l'autre souffle. Malheureusement, liquidez-nous sans nous pas attendre. Liquidez-nous avec toute envie que j'ai gagné pour continuer à goûter pour Haïti changer. Liquidez-nous avec tout courage que vous mettez dans la bataille pour Haïti meilleur ça pour la génération qui a venu. Permettez-moi, dans toutes les amis qui sont là et pas là, gagner une pensée spéciale pour le sociologue Anthony Barbier qui quittait nous. C'est avec un pile tristesse nous avons géré disparition ça, mais nous connaissons. SG Barbier pas tap transiger sous ça. L'étape dit nous, si nous t'aiguons pour demander, est-ce que nous mettons continuer pendant le mourir, est-ce que nous devons faire deuil avant nous continuer la bataille? SG Barbier tap dit nous, non. Majorie, pas question, avancer pour nous avancer petit. C'est ça qui fait. Dans mémoire, secrétaire général, ancien ministre, sociologue Anthony Barbier, nous avons continué la bataille. Nous avons mis plus courage dans nous, plus détermination dans nous pour nous continuer la bataille. Pour ça que nous avons là-dedans. Haïti que nous avons révélé, nous avons goûté pour lui pendant toute ville là, pour enfin nous arriver là-dedans. Nous remercions tous nos compatriotes qui, de partout dans le pays, à travers tous les départements et régions, emboîtent le pas. Et continuer à mobiliser pour demander de respecter la Constitution. Je dis, en pile département est dans la rue, l'Ouest est dans la rue, le Nord, le Sud-Est est dans la rue, en pile côté, l'Antibonite est dans la rue, le plateau central est dans la rue, pour demander de respect la Constitution eu égard à l'article 134-2. Pendant que la population continue à vigiler, parce que la bataille pour délivrer Haïti, c'est ensemble, c'est maintenant même pour nous mener. Je vais passer la parole au sénateur Ricard qui va parler nous en gros de mobilisation qui va faire suite au député Serge Jean. Je vais saluer les amis la pression. Et puis excusez-vous pour le retard que nous avons gagné l'autre fois encore après-midi. Nous connaissons les pour arriver à signature un accord qui impliquait tout groupement politique, tout regroupement politique, tout acteur de société civile là, la donne. Ça prend un peu de temps pour faire quelque soit petit arrangement qu'a fait dans le temps. Encore une fois, excusez-nous pour le retard ça.
Nous sommes passés environ 4 ans à mobiliser en face un pouvoir criminel, un pouvoir qui prend tout sa pays à gagner comme richesse, il prend pour lui-même président, premier ministre, gouvernement avec Zamio. Un pouvoir qui oublie que le peuple haïtien, il met les gens sous pouvoir, il met tout pour aider le résoudre ensemble problème pour le gagner, problème qui affecte la vie chaque jour. Nous gommons en pile avec le gouvernement ça et gommons ça pendant près de 4 ans, il prend toute qualité forme. C'est le moment pour me saluer et participation député opposition yo, sénateur opposition yo dans bataille qui t'a fait en dans parlement pour nous montrer peuple là que pouvoir ça que t'es là pas t'a régler rien pour lui sinon que piller pays a et puis faire sans petite li couler. Félicitations camarades députés, camarades sénateurs, pays a songé que nous rendons un gros service dans la bataille peuple là. C'est le moment pour me saluer dirigeants politiques yo de tous les partis politiques de l'opposition. C'est le moment pour me saluer les organisations de la société civile qui pas de jambes ménager effort yo dans dénoncer crimes, dénoncer massacres que pouvoir ça t'a fait sous a fait continuer à faire sous peuple haïtien. L'ensemble de médecins dans le pays, particulièrement les médecins qui travaillent au niveau de l'hôpital Bernard Meuse. Nous ne savons pas qui pour nous dire ça au merci. Pour quantité, coûte ban nous avec malades nous, blessés nous, les gens qui prend balle par-ci par-là, en bas main, sbire pour voir ça. Avocats, yo. Ensemble avocats qui toujours accompagnent nous dans la rue, accompagnent militants nous, les yo séquestrés yo sans raison, les militants seulement t'a défendre droit yo, mais comme pouvoir ça considérer que personne pas droit ouvrir bouche yo parce que Jovenel Moïse dit ça après bon Dieu c'est lui-même, donc sur toute ça c'est ça, donc un militant t'a osé manifester pour dire non les grands goûts. Il n'est pas capable de situation ça encore. Et pour voir ça, pas de ménager tirer balle sur yo. Et encore une fois, merci pour les médecins, yo, en particulier les médecins de l'hôpital Bernard Meuse, qui t'a aidé nous en pile. Chauffeur motocyclette, yo. Monsieur et dame ça, yo, yo impayable, peuple a un gros prix pour le payer, yo. Parce que monsieur et dame ça, yo, pas de gens négligés pour tes participations, yo, dans la bataille là. Pasteur yo te prend la rue, étudiant yo te prend la rue, élève l'école yo te prend la rue parce que pouvoir te attaqué yo tout. Cependant, malgré toute mobilisation ça yo, Jovenel Moïse n'en figue nous là toujours. Nous conscients que nous avons péché quelque part. Nous avons péché au niveau stratégique. Parce que chacun dans nous-mêmes, nous t'a fait activité par nous, pourquoi nous? Jovenel Moïse profite de ça. Li rete là dans figi moun, li continue à faire sans moun couler et jodi encore nous perdons un militant. Ou zore qu'un passé juste tiré à hauteur d'homme. Les militants ça a tombé. Non c'est Yvon, nous pas songe signature. Yvon Noël, nous incliner nous devant cadavre Yvon Noël et nous voyons solidarité nous bay famille pour nous dire famille sans Yvon, pas couler pour grand merci, même j'en sens toute notre camarade nous yo, pas couler pour grand merci. Nous rivez jodi à la 31 janvier. Nous étions 6 jours pour nous faire tout ça nous connaît pour Jovenel aller. Nous sommes signés ou accord. Signés ou accord, c'est une. Mettez la force nécessaire des accords pour arriver à implémenter, c'est une autre bagaille. Jodi à la fois appel à toute cité ça, nous sommes cités là pour nous dire nous avons 6 jours de mobilisation sans pause. Nous avons 6 jours de lutte sans arrêt. Nous avons 6 jours de concertation totale. Nous mettons nous toutes comme force politique, comme force sociale, pour nous arriver à porter Jovenel Moïse aller, faire respecter la Constitution. Pour 7 février, gouvernement de rupture, ça,
que nous envisageons dans le cadre de cet accord, gouvernement ça capable d'installer nos palais nationaux pour nous prendre l'autre orientation pour nous mener le pays sous l'autre rail. Merci en pile. Quel que soit côté, oui. Qui tu es en Haïti, qui tu es à l'étranger. Vous constatez plusieurs interventions que vous faites là. Vous va parler des diasporas. Dans la dynamique de mobilisation, la diaspora joue un rôle déterminant. Diaspora, quel pays, quel que soit, dans quel que soit domaine, qu'a fait, dans quelle que soit activité qu'a fait dans le pays. Alors, mobilisation, tout ça nous se dit là. Si pas une mobilisation organisée, planifiée, tout ça nous se dit là, il n'a privé aucun côté. Alors, nous dit peuple haïtien, faut continuer qu'imbé flambeau mobilisation. Nous avons dit quelque chose à côté lié. Nous saluons détermination. Peuple Gonaïve la mène en bataille. À nul autre pareil. Nous saluons courage, détermination. Peuple Okaela, dernièrement, qui saute faire une véritable démonstration des forces. Tant que ça fait Gonaïve, tant que ça fait Saint-Marc, tant que ça fait Nami Balay, Port-au-Prince, c'est pas parlé. Dans la dernière manifestation qui s'est passée là tout à l'heure, nous avons une quantité de monde qui était sorti dans la rue justement. Pour te venir dire très clair, mandat président Jovenel fini 7 février 2021, est en coup, nous-mêmes, au niveau force nationale pour la démocratie, à travers le bandeau que nous te mettons dans différents côtés, pour te montrer l'article 134-2A, qui très clairement dit 7 février 2021, mandat Jovenel fini. Mais qu'on y a mobilisation, pas v'le dit seulement, manifestation d'elle. L'ivre dit grève. L'ivre dit l'autre stratégie pour nous mener un combat 7 février 2021 pour nous renverser cette situation. Sous cette base, mes amis, m'a dit peuple haïtien, Québec FM, manifestation pas faite pour faire seulement, comme dit la radio, pour nous arriver 7 février 2021. Après 7 février 2021, faut mobilisation continuer. Parce que si au bon, on premier ministre, par exemple, on ministre, on directeur général qu'on pas d'accord, c'est pour sortir dans la rue pour continuer à faire mobilisation pour dire c'est pas sorti plus. Et m'a salué tout camarade dans le ghetto, quel que soit côté yo dans pays ya. Tant que yo habitué faire pour yo lever campé, j'ai habitué lever campé pour suivre lever campé pour yo dire clairement ça yo vle. Yo vle un gouvernement de transition, yo vle une transition de rupture. Dans transition de rupture, la tenir compte de l'ensemble de revendications population. Peuple haïtien dit, ils veulent l'autre qualité de l'État. Ils disent, ils veulent l'autre qualité système. Et, dans l'accord, ils sont là, ils ont un concept soufflé, une grosse décision qui prend pour nous défendre l'organisation de la conférence nationale souveraine, telle que sénateur Tuneb del PDE, que tu m'as défendre pendant des années. Qu'elle te commence à mener le combat jusqu'à ce qu'elle puisse mourir. Elle mourir avec l'idée de conférence nationale là, dans la tête. Et qu'on y a, heureusement, conférence nationale souveraine, venez poser tête dans la société. Quel que soit côté passé, quelle que soit catégorie sociale, vous estimez que conférence nationale là sont éléments indispensables qui vous fait en dans société pour permettre pour mener non un changement système. Donc sur cette base mes amis, m'a dit merci non mouvement de mobilisation il y a parlé la fois assimilé à une révolte générale qui pour Kembe situation en main Kembe mobilisation en main 7 février 2021 mandat Jovenel fini et c'est fini pour permettre nous remplacer par un gouvernement de transition tant que tout le monde a dit là. Donc merci.